Le dimanche 10 juillet, malgré une météo maussade, les unités de contrôle ont engagé une opération surveillance et coup de frein sur le golfe du Morbihan. Deux navires semi-rigides de l'unité littorale des affaires maritimes, deux semi-rigides de la gendarmerie maritime, un de la brigade de la gendarmerie nautique étaient engagés dans cette opération, ainsi qu'un patrouilleur des douanes. L'ensemble du golfe du Morbihan et du littoral morbihanais était au programme. Ces unités ont procédé à 80 contrôles qui se sont soldés par 20 procès-verbaux de constatation d'infraction, de nombreux rappels à l'ordre de sécurité et 6 suspensions de permis de conduire des navires. Ces principales infractions sont des excès de vitesse et l'absence de brassière de sécurité. Le gilet de sauvetage est obligatoire à bord et surtout, n'oublions pas, il peut sauver des vies.